Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la rediffusion, enfin, et oui, enfin, de cet épisode 2 de la coop avec Cédric. Désolé hein, qu'on ait mis autant de temps à sortir cette vidéo, on a eu quelques problèmes techniques pour rapatrier la vision du côté Cédric. Je vous ai mis donc la course dans son intégralité avec les qualifications en one shot, et également, donc vous avez les deux sons de Cédric et moi, ce qui vous permet d'entendre le bruit du moteur de Cédric et le mien en même temps. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu écho, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous dérange ou pas. En tout cas, j'espère que vous allez prendre un bon moment pour regarder cette vidéo. Je vous ai mis dans l'intégralité, j'espère que ce sera pas trop long. Je vous souhaite un bon visionnage, bon Grand Prix à tous. Allez, ciao ciao. C'est compliqué. Allez, on va passer donc aux qualifications, les amis. Et on va tâcher de faire le mieux que possible. Mais est-ce que Prost avait pas son mot à dire dans cette écurie? Non, parce qu'on le voit pas souvent en fait, non? Ou c'est moi? Bah ouais, il me semblait quand même que... Qu'il avait le même poste que Loda, hein, de ce que j'avais compris. Ouais, mais on le voit jamais dans... On le voit jamais chez Renault, c'est assez bizarre. Et je trouve Eric Vasseur très sympathique. Mais j'ai les résultats... Alors, sur le live, il y a des questions. Il y a The Phenom qui te pose une question particulièrement à toi, qui dit « Tu nous fais rien de particulier avec F1 2016 ?» Ouais, pour l'instant, je réfléchis un peu à ce que je pourrais faire. Repartir sur une saison complète comme je l'ai fait avec Ferrari, ça semble compliqué. Je suis reparti sur une nouvelle saison avec Ferrari, alors peut-être qu'il y aura... je suis en train de réfléchir à faire une saison par épisode, c'est-à-dire que là, il y aura des grands rendez-vous comme Monaco, Silverstone, des trucs comme ça, mais peut-être pas la saison complète. Et puis on va continuer à faire les hot laps aussi. Donc on va voir. Pour l'instant, on réfléchit à tout ça. Il y a quand même pas mal de monde, pas mal de chaînes, et notamment Angel aussi qui fait des saisons, donc on va essayer de pas faire pareil que tout le monde. Bah après c'est notre chaîne commune donc ça c'est pas très grave. Oui après c'est notre chaîne commune mais il y aura sûrement l'idée c'est pour l'instant c'est des épisodes de certains GP. Ouais ça c'est une très bonne idée. Il y a alors Antoine Demery, salut Angel, j'ai loupé quoi? Sinon super vidéo comme à chaque fois, GT série de F1, continue, petite question, on peut jouer à F1 sur PC avec une manette de PS3? Oui on doit pouvoir, il suffit de pouvoir raccorder la manette de PS3 et qu'elle soit bien reconnue sur le PC. Et après voilà dans le jeu ça doit le faire hein. Synergétique qui dit je suis en carrière avec McLaren en difficulté expert sans aide mis à part la trajectoire 2D en virage uniquement et je termine assez facilement dans le top 3 mais quand je passe en légende je suis dernier. Ouais. Et je sais pas quelle difficulté sera la plus adaptée. C'est le problème de tous les épisodes d'F1, c'est qu'il y a une marge de seconde qui est énorme entre chaque difficulté. Et c'est vrai que quand tu te retrouves entre deux, eh ben c'est un peu compliqué. C'est soit t'es tout le temps devant ou d'un coup t'es tout le temps derrière. C'est un peu... C'est vrai qu'il y a... Et là, ils ont rajouté une difficulté, non, je crois. Il n'y a pas As du volant. Si, As du volant, ouais. Et il y a Rebaker par rapport à Prost hein, qui réagit et qui dit qu'il avait refusé le poste de mémoire pour se consacrer à l'écurie Idams. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que... Oui, Prost avait refusé. D'accord. Mais ils sont bien à la rue, en attendant, hein. Alors, salut Arnaud Harmonier, salut Vincent 98. Allez, on va passer pour faire les qualifs. On est parti, on n'est plus là. Allez, j'enregistre et c'est parti. Donc il y a Cyril qui te dit si tu veux faire une saison, prends la Force India, là tu vas t'amuser un peu plus qu'avec la Renault. Ah, je prendrai pas la Renault, Cyril, t'inquiète pas. Thank you.
la vache, Hamilton, le tour. Bon, je partirai dernier. Mais moi, malgré une nette amélioration, je partirai 17ème. Oh, c'est terrible. Alors, les qualifications, le top 10, Lewis Hamilton, Rosberg, Raikkonen, Vettel, Ricciardo, Verstappen, donc 3 paires de d'écuries. Après, on a Bottas, Kiat, Massa, Sainz, les Toro Rosso qui ont rien à foutre ici mais qui sont dans le top 10. Alonso, 11ème. Button, je sais pas où il est, mais 13ème. Donc toi, tu pars 17ème. Avec un 1,36. Ah, c'est 36, carrément énorme. Et moi j'ai amélioré, mais pas suffisamment. Je me suis foiré en fait dans le. Quand j'ai pris la piste, je sais pas pourquoi, j'avais le volant qui était débraqué, je me suis retrouvé dans l'herbe. Donc ça m'a fait de la merde quoi. Alors, bon, ouais, qui dit j'espère que t'auras plus de chances de pas finir dans le mur. Bah ouais, j'espère qu'il y aura pas un pilote à éviter cette fois-ci. Bon, donc on est parti pour la course. Alors, la nuit tombe, la température en piste aussi, en espérant, les gars, que ça ira avec la dégradation des gommes, ça sera moindre, que l'auto fonctionnera mieux. On peut également partir en soft. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que... Déjà pour mieux partir. Alors, stratégaire, alors qu'est-ce qu'il nous dit notre grand stratégaire? Alors, deux arrêts. Trois arrêts. Ah oui, c'est très très léger. Hein. On tour en soft, c'est petit. Donc il 29 tours. Il nous annonce 7 tours hein, avec un train de super soft. Et 13 grosso modo avec les softs. Alors, Racing News qui est joueur, hein, c'est un last to crash que m'annonce Racing News, donc c'est très sympathique. Il y aura le geste. Bon, 3 arrêts ou 2 arrêts alors ça dépendra, tu peux y aller. Bon, ça dépendra, Cédric, d'une intervention du pace car, car les softs ont 8 tours de durée de vie ouais. Et 5 ou 6 pour les SS. Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je crois que c'est 3 arrêts. Parce qu'économiser la gomme avec ces voitures, ça sert à rien, il va falloir attaquer. Donc, je pars sur la stratégie gestion des pneus minimale avec auto 6, un train de super soft, et ensuite on enchaînera avec deux trains de soft. Je pense que c'est le mieux. Et on met tout dans l'attaque. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça paraît pas mal. Hein. Parce que dans la gestion des pneus, déjà que la voiture elle est à la roue totale, je le sens pas. Bon, après, on économise un arrêt. Alors, est-ce que l'économie de cet arrêt sera bénéfique? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ami Cyril? Alors, de toute façon, il faudra mettre au milieu des médiums. Ah oh. Alors épargnez-nous le calvaire, on est là pour s'amuser quand même. c'est mettre les pneus médiums, c'est une espèce de vieille punition, tu vois, recopier la page ou écrire 50 fois le même mot, tu vois, c'est pareil. Donc j'ai envie d'éviter en fait. Donc moi je vais partir sur la... Sur la gestion des pneus minimales, et je l'ai modifié un tout petit peu, donc avec un train super soft et deux trains soft. Et puis écoute, on verra bien comment ça se passe. Hein. Moi, c'est médium, ça me fait flipper quand même. Ouais, les médiums sont horribles. Moi, je les mets pas. Je pourrais pas. Ça sert à rien, la voiture, elle est catastrophique avec. D'ailleurs, même l'IA les a même pas chaussés quasiment du week-end. Mis à part Vettel et Hamilton qui ont les deux meilleures voitures du plateau. Donc sans moi. Alors Cyril qui dit ouais mais on peut faire 3 arrêts mais on n'a pas d'aide du PSK, c'est dead les gars, alors c'est risqué mais on n'a pas le choix donc allons
Vas-y, on a rien à perdre. Voilà, bon, allez. Est-ce qu'on fait une stratégie décalée? Tu m'as dit que tu faisais quoi, toi, super soft? Moi, je prends. Ouais, en train de 3 arrêts. Arrêts. Tu fais 3 arrêts, je vais faire 3 arrêts aussi. Tu fais. Soft. Voilà, je modifierai sûrement peut-être en route, mais je fais super soft et 2 fois soft. Et tu rates à quel tour? Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder. Alors, on va faire notre période. Période numéro 1, je vais partir en super tendre. Voilà. Et je vais m'arrêter au tour 4. Voilà, tour 5. S'ils arrivent jusque là. Pourquoi pas SS, puis tendre et tendre. Après, je vais chausser des médiums, des softs, je veux dire, au tour 10. De toute façon, après, tu sais quoi, je pense que ça va être au feeling. Hein. Bon, bah écoute, on va tenter ça, donc moi je vais faire SMS. SMS. Je sais pas si c'est la même, mais. C'est parti. On changera en cours de route. Eh bah allez, on y va. Advienne que pourra. Alors, oublie pas pour mettre en grille l'embrayage. Ouais, c'est, j'ai encore pas très bien compris le truc. Hein. En plus, j'ai deux fous de chez Sauber derrière moi. Je vois. Donc il y a a priori la fin 2016 qui sortirait sur mobile en plus. Oui, alors j'ai vu l'annonce tout à l'heure, hein, Codemasters qui a annoncé ça, ça va sortir sur iOS, Android et les trucs, enfin les box TV quoi, les comment ça s'appelle, les Apple TV et autres bon, boîtiers. Alors, pas les décodeurs chez Orange par exemple, hein. Ça faut les non plus. Mais moi ce qui m'interpelle c'est qu'est-ce que ça va être comme jeu, parce que si c'est un jeu de course comme on voit sur les, parce que on voit des Need for Speed ou des choses comme ça qui tournent très bien. Ouais, un jeu de prix comme on appelle ça les jeux où tu payes, là. Les pay-to-win. Pay-to-win, genre Rail Racing, tu vois. Genre Rail Racing, tout à fait. Après, si c'est une retranscription du jeu PC avec bon, une limitation graphique hein, par rapport à la puissance des smartphones. Oh, ça peut être beau, hein. Mais ce que je propose dans les machines. Je crains pour les batteries et. Ah bah oui. Et pour les téléphones, parce que ça va chauffer. Là. Déjà, on voit avec le Pokémon Go ce que ça donne. Les téléphones, ils chauffent, ils en peuvent plus. Et puis, bon, la batterie, elle fond comme la neige au soleil. Ah bah là, ça va être pareil. Hein. Cédric, si ton train de SS est encore en bon état en fin de relais, tu peux faire un tour de plus. Ok. Bon bah bonne course à tous. Bon bah oui. Oula. Départ manqué. Pareil. C'est pas grave, on est là-dessus. Thank you.
Non, mais rester très sage au départ. Ouais, c'est un peu jouer des coups là, par-ci par-là, mais sans trop de bobos. J'ai cru voir passer un morceau de l'an. J'ai devant moi les deux voitures qui ronronnent. Est-ce que tu vas trouver qui c'est? Ah, j'adore. Ça, c'est les moteurs Honda. A noter que les McLaren sont partis avec des médiums. C'est la stratégie oubliée. Efficace. Efficace et pas cher. C'est où il y a le ralenti, on dirait même cette tête de course. Ou c'est parce qu'on est en soft. Ouais, l'IA elle se traîne un peu. Ouais. Ah, c'est bizarre. Mais alors, les projections, si c'est énorme sur la caméra. Ah, c'est chouette. Hein. J'entends le ronronnement en plus, hein. Ouais, t'as c'est vu ça bizarre, hein. Ah, tu me dis hein, si tu veux passer, si tu le sens mieux. Parce que t'as les super soft, toi. Faut que tu tailles la route, hein. Si je te retiens, tu passes. Mais hein. Tu me le dis. Je te dirai ça. Faut se débarrasser du bouchon de tonne en plus, là. Maximum de temps justement avec ces gars. Il y a un chat qui ronronne, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Allez, c'est le moment. T'as vu comme ils sautent au cul une fois que tu les as doublés? Bon, bah ça se passe bien pour l'instant. Hein. Ouais, ça va bien. On va pas s'affoler plus que ça. Moi, j'ai abîmé un petit peu mon aileron. Bon, après, faut savoir qu'ils vont faire tous un arrêt de moi là. Donc, vu qu'on est dans le trafic, on perd un peu de temps finalement. DRS.
Je suis impressionné par la lenteur de l'IA, alors je sais pas si ils économisent la gomme. Ou si c'est la Renault qui est en forme. Je sais pas en forme de quoi, mais... Elle a vu la Vierge. Ça doit être ça. Cyril qui demande, tes pneus s'en sont où? Bah pour l'instant ils sont bien hein. Pas trop de communication par texte hein, parce que sinon je suis obligé de tourner la tête et du coup je vois plus le. Ouais, ce qui et passe moi, en... ouais, quand je regarde aussi, j'ai du mal avec ce nouvel opus. Là, tu vois, j'ai regardé le l'ATH là, j'ai fait foutre en l'air. Non, pour l'instant ça va. Va falloir vraiment régler ce problème de micro, Cyril. Violemment. Ouais, j'ai vu. Surtout fais gaffe hein, avec les dégâts en simulation, on n'a pas le droit aux touchettes. Hein. Ouais. Moi j'ai frôlé l'arrière de button, j'ai un morceau d'aileron de devant qui est parti. Ça aussi c'est bien, c'est réaliste, hein, parce qu'avant c'était du stock car et la voiture n'avait rien. Je vais à la chasse au Daniel. C'est vrai que peut-être trois Français l'année prochaine en F1, si Pierre Gasly est champion, il va remplacer le Russe, Kiat, ça serait bien ça. Ouais, ça serait bon. Hein. Grosjean, Ocon. Et Ocon qui a vraiment dit à Jean Alesi son souhait de rejoindre Ferrari à l'avenir. C'était impressionnant, ça m'a un peu choqué parce qu'il fait partie du fleuron Mercedes. Les jeunes, je ne sais pas encore trop comment s'exprimer, je pense. Ah, il a carrément dit, je suis un fan de Ferrari, surtout à Monza, quoi. Drapeau jaune, jaune. Bah, c'est Kiat qui s'est mis en fantôme, c'est bizarre. C'est reparti. Ça m'aurait bien plu un petit safety car, là. Et l'IA est ralenti, c'est bizarre. J'ai rien touché, promis. Alors est-ce qu'ils économisent la gomme, c'est possible, je pense. Information à 50 viewers actuellement. Cyril qui te dit de rentrer au stand, passer les S. Maintenant ? Ouais. Allez. Ça marche. Mais les deux super subs qui sont tombés en dessous des 40% à l'arrière. Allez, je plonge dans la bonne estrade. T'es suivi par Kiat. Suivi par Daniel. Bon, pour l'instant, on est solide. Allez, 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 on ressort devant le Russe. Impeccable. Bon, on est plus performant que les Manor déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ouais.
le jeu qui a vraiment besoin du style Series, hein, puisqu'il faut absolument avoir tous les boutons sous les yeux. Hein. Alors Cyril, qu'est-ce qu'il dit ? Angel boxe à la fin du 8ème et on reste en S. Ah ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. Ouais, finir avec les super soft. Par de puits en plein milieu du désert. Il est bon ce Jeff. Oh tard, je ressens au côté de Verstappen. J'ai peur. Moi, je suis derrière Hamilton. Les pneus ça va Cyril, hein. Si tu regardes sur le retour, j'ai 42% à l'avant gauche et 36% sur les autres, et 41% à l'arrière gauche aussi. Mais est-ce que je pourrais pas faire encore un tour? Ouais, il y a un bouchon mais phénoménal. Ouais, est-ce que je peux pas rester en piste, Cyril ? Ah, y a un bouchon, c'est chiant là, je sais pas qui c'est qui gère comme ça. C'est pas moi. On est très performant quand la piste elle est dégagée, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a de la difficulté à dépasser hein, dans ce jeu. C'est plus comme avant. Hein. Ah ouais, ouais. Ou avant on pouvait faire vraiment des dépassements n'importe pièce. Allez, je plonge dans les stands. Les gars, on voit que du pneu s'use moins vite avec la température de piste qui est plus fraîche avec la nuit. Ouais. Changement d'aileron avant, donc on perd du temps. Je viens de voir que t'es passé. Gros arrêt, hein, 8 secondes, 1. Je ressors 17ème, si c'est pas pire, il y a Grosji qui arrive. Je vais ressortir un coup d'à coup avec Grosji. Ah, on perd vachement de temps derrière ce groupe de voitures.
Ouais, on s'est défait de Verstappen. C'est Hülkenberg hein, qui fait le bouchon. Merci de faire la place, Verlaine. T'es trop lent. T'es comment toi? Bah je suis à la poursuite de Grosjean à la 16ème place. Gunsoft qui se comporte plutôt bien. Hein. Bah ouais, parce que j'ai de bonnes. Contrairement aux essais libres, j'ai de bonnes sensations avec l'auto. Alors il y a Siri qui te dit tu t'arrêteras à la fin du 16ème pour mettre des softs. Ok. Perez qui ressort des stands avec des médiums. On ira tous les deux en SS. Eh mec, il parle que de pluie quoi. Elle chante la pluie. Ouais, Jeff, casse les burnes. Merde, je suis bourré de boutons.
plus rapide que les Toro Rosso, mais j'arrive pas à les doubler dans la ligne droite. C'est un problème. Ah, y'a pas de moteur. Oh putain, le tour de bord. À quel endroit? C'est sur le virage tout à gauche là qui descend. Avant la deuxième zone de DRS. Je me suis complètement foiré. C'est de ma faute. M'arrêter à la fin du 18e tour pour chausser un train de S. Aïe aïe aïe. Et voilà, merci Verstappen. Et oui, et oui, et oui. Voilà ce qui se passe. On va casser la roue avant. Oh là là, il y a Cyril qui va donner les consignes pour adapter. Quelle misère. Ah, il était dans les points. On ne le sera plus. Il n'y aura pas de pluie. Pénible avec ça, avec ça. J'ai les miaou qui arrivent derrière en plus. Là. Les deux matou. Les mac matou matou. Alors, c'est Cyril qui te dit que tu passes DS. Ouais. C'est ce que j'ai mis. Ah, la voiture elle va tout droit, bah oui, évidemment. Oh putain. Accrochage avec Pérez. Putain. Ok, bordel, sérieux. Ah, c'est un vieil accrochage de l'IA en plus, hein. Comme on avait l'habitude de le voir avant. Allez. J'étais sur Cyril, c'est la cata totale, il me chausse les super soft en plus. T'avais choisi les softs, ils t'ont mis les super softs. Ouais. Putain, c'est pas possible. On était bien dans ce GP. Tout est à refaire. La 14 tour de l'arrivée, c'est compliqué. Hein. Mais t'as rien cassé sur la voiture? Si si, j'ai l'aileron avant qui est endommagé. Mais bizarrement, tu vois, j'ai Pérez, il m'a tapé sur le côté droit et j'ai l'aileron à gauche qui est cassé. Ouais, sur le chat, ils sont... unanime, on a la poisse. On a la poisse, ça, ouais. Alors, vous le verrez sur le replay de la course la semaine prochaine. Ah, j'étais bien, hein. j'étais vraiment sur ma trajectoire, je défendais ma position et... foutu en l'air.
Moi c'est un peu pareil, Pérez il m'a fait l'intérieur et j'ai essayé de résister et puis lui il m'a tassé sur le vivoire et puis après ça fait un peu engrenage et du coup sa voiture elle s'est mise à l'équerre sur moi et ça m'a foutu dehors. Oh, on s'en était dans les points quoi. C'est rageant. Alors mes pneus sont dans quel état? Je vais regarder ça de suite. En tout cas les As qui sont totalement à la rue. Alors 52 à l'avant gauche, 35, ah, c'est normal à l'avant gauche avec l'aileron qui est fracassé. Cyril, tu maintiens la fin du 18ème pour remettre des S pour moi. Cyril, est-ce que tu penses que je répare la langue? Est-ce que ça te gêne? Pas plus que ça, c'est juste les pneus, le pneu avant gauche qui s'use beaucoup plus quoi du coup. Ah bah oui. Après, est-ce que la perte de temps engendrée par le changement sera pas pire? Ça prend du temps quand même. Hein. Ah bah trop tard, Cyril, il fallait répondre plus vite. Vite.
Oh, Gutiérrez aussi, quand il m'a tassé, c'est impressionnant. Est-ce que leur comportement n'est pas répercuté dans le jeu? Ce serait pas mal, ça. Ça serait bien. Parce qu'on sait que Verstappen et Gutiérrez sont vraiment les as pour ça. Ça serait bien de voir s'ils font les décalages comme ils font dans la vraie vie, sur les freinages. En tout cas, le mode éventé, il y est. Parce que je me fais éventer quand je suis derrière lui. Ah, il est bon ce Jeff, il me dit que la voiture qui est derrière moi, elle est de 9, mais sauf que le mec qui est derrière moi, c'est Nasser, et il est rentré en même temps que moi. Et on a tous les deux des pneus neufs. Je vais entrer au stand. J'ai les pneus qui sont à l'agonie. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui, là les... Cyril te dit de repasser en S. Ouais, je repasse en S. C'est vraiment qu'ils te mettent pas des super soft. De toute façon, il y en a encore plein qui vont s'arrêter. Changer les pneus là parce que j'ai mes pneus, ils sont déjà défoncés. J'ai fait Il tombe bien, vieux train. Putain c'est délire. C'est quoi cette blague là? Ils m'ont remis des pneus d'occasion quoi. Là faut que je rentre à la fin du tour, hein, sinon j'ai l'avant gauche qui va exploser. Bah là mes pneus, Cyril, l'avant gauche il a 72%, 58 et 59 pour le reste. Ça veut dire que c'est un train usagé. Ouais, et du coup j'espère que je vais arriver au bout de ce tour, parce que je sens que l'avant gauche va éclater dans pas longtemps. Parce que dès qu'on passe les 70%, ils ont tendance à exploser vite les pneus. Je me disais, j'avais pas de rythme avec la voiture.
Ah ouais, mais c'est vraiment la poisse, là, c'est la surpoisse même. Cyril. Il a le micro qui déconne, Cyril ? En fait, il a un micro intégré dans l'écran de son ordi, comme il a acheté un portable tout neuf, mais il n'est pas encore très à l'aise avec l'utilisation des ETS. Et donc, les stands m'ont chaussé des médiums, c'est très pratique. Ils ont peut-être dû penser que j'avais pas assez de train de pneus SS pour faire. Mais ils sont pas sérieux. Bon, bref. Donc la poisse. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait continue. J'ai une pénalité de 5 secondes à l'arrivée pour pas avoir respecté un drapeau bleu. Alors que dans la deuxième zone de DRS, j'étais sur la voie de gauche pour laisser passer Rosberg. C'est à faute à Roswell. C'est ouf, hein. Il y a des courses comme ça où on se dit vivement la fin. Ah oui, là c'est vraiment. C'est pas de bol hein, ce soir. Hein. Attends, pour ça partait tellement bien. Hot shot. Ouais, c'est ça. C'est pas de bol. Mes parents m'ont appelé fausse couche, mais. Finalement, on m'a surnommé c'est pas de bol. Ah, Jeff s'est résolu à me dire qu'en effet il ne pleuvra pas. Putain, il était temps. Sinon, la Manor qui est devant, elle est à combien de kilomètres? Parce que là, j'ai l'impression que je reviens pas dessus. Ah, ils ont un très bon rythme. Hein. Thank you.
plus sur la multi, comme ça on n'a pas de R&D, donc on peut même pas faire évoluer la voiture. On aura une bagnole pourrie du début jusqu'à la fin. C'est ça en fait. Ça va durer tout le temps. Un prochain épisode de Shanghai, ça risque d'être Shanghai justement. Ah, ça risque d'être Shanghai, hein. Ouais, c'est ça. Parce que on n'a pas de moteur et dans la grosse ligne droite là, on va se faire bananer. On va faire un jeu de mots avec la couleur de la voiture. Et si elle est aussi agile qu'ici, dans les parties sinueuses, on n'a pas fini de rigoler. Ouais, ça va être compliqué. C'est passé quand je peux, mais là pour l'instant je ne peux pas. Ça fait quoi d'avoir une GP2? C'est-à-dire que en temps normal ça ne poserait pas de problème si on avait tous la même. Ah, j'ai l'impression d'avoir une GP2 face à Hamilton. Bah là j'ai vu passer Rosberg, Vettel, Raikkonen. Le calvaire des vrais pilotes dans la vraie vie, dans les GP. Ouais, c'est ça, hein. Ceux qui ont les voitures vraiment pourries. Salut Florian, bienvenue sur le live. Dommage, t'arrives en fin de course. Gros Jean avec la voiture de 2014, ça devait être l'enfer. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on le trouve maintenant, il est aigri, quoi. Ce qui est rageant, c'est qu'on aurait pu marquer des points, c'est ça le plus rageant. Bah ouais, carrément, hein. Toi au moins t'étais dans les points, j'en étais pas toi loin. Toi aussi. Mon dernier tour. Dernier tour.
Ah, j'ai trouvé que la voiture fonctionnait mieux en course que pendant les essais, par contre. C'était impressionnant. Et merci, Florian, pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. En fait, tu sais ce que vient de me dire Jeff? Quoi? Il n'y aura pas de pluie pour l'instant. Oh putain, il est bon celui-là. Non mais il m'avertit quand même s'il y a un changement. Ouais, au cas où il y a un orage. Bon ben voilà. Hein. Merci pour tout. C'était formidable. Ah là là, quel dommage. C'est terrible. C'est terrible d'être parti. On était si bien, franchement, au départ. C'est rageant. Quand on voit le rythme qu'avait Grosjean, par exemple, eh ben, on était mieux que lui, quoi. On aurait largement pu être... Ouais, ouais. Florian qui dit est-ce que le jeu mérite d'être acheté? Moi je dis oui, un grand oui, surtout sur PC. Oui, complètement. Ouais, après la manette sur la console je ne conseillerais pas. Mais après, sur PC c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment l'un des meilleurs opus de la série, quoi. Même si je peux pas blairer ces voitures, franchement je le conseille. Après, par rapport aux consoles et aux problèmes de la manette, il y en a qui le font très bien et qui s'en sortent parfaitement bien. Hein. Exactement, mais après c'est un conseil. J'ai Farbik ou des Pielos, mais sur PC, on a quand même des graphismes qui sont bien meilleurs par rapport à ce que je vois sur les autres chaînes qui font des vidéos de gameplay sur PS4. Je trouve que les graphismes, ils sont pas très beaux sur console. Et puis, sur PC, encore une fois de plus, on a les avantages de pouvoir mettre des mods. Exactement. Rien que la Williams avec les couleurs Martini, c'est juste la base, quoi. Puis après, se trouver un petit Logitech GeForce, ça coûte pas des milliers de cents. Et puis là, vraiment, c'est beaucoup de plaisir, quoi. À la manette sur console, tu ne conseilles pas, pourtant moi je me débrouille. Ouais, c'est ce que je dis, The Phenom. Je dis sur console, les mecs, il y en a qui arrivent très bien sur console avec la manette. Nous, au départ, on jouait à la manette et on s'en sortait très bien. Maintenant qu'on a goûté au volant, on sait plus jouer à la manette. Mais franchement, sur PC, je trouve que graphiquement, il est plus joli que sur console, même sur PS4. On peut mettre des mods et ça, ça a pas de prix, quoi. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a à déplorer? Donc, je suis avant-dernier. On a failli quand même. On est mieux. Alors, j'avais pris une pénalité de 5 secondes de stop and go. Finalement, je l'ai pas fait. Et puis, finalement, j'ai pas de pénalité à la fin. Donc... ils se sont dit, de toute façon, ils ont tellement eu pas de bol que. On a fini devant une as. C'est l'essentiel. Alors, Angel, il est surtout beaucoup plus complexe à gérer que les autres opus parce qu'il y a le R&D maintenant qui a toute son importance. Tout à fait. Alors, faut avoir les moyens pour un volant, Seb le cocher. Oui et non, tu peux acheter un volant d'entrée de gamme, donc comme le disait Cédric, un Driving Force GT qui a une centaine d'euros. Après, si t'as les moyens, oui, tu peux te prendre le G29 ou même tu trouves des G27 d'occasion sur le bon coin à 200-240 euros. Et après, si t'as vraiment les moyens, tu te payes un Fanatec ou un comment ça s'appelle, un Thrustmaster, ouais, un T500. C'est très bien. Voilà pour une course qui se termine complètement décevante. Ouais, parce qu'on était dans les points, on visait le top 10 et puis enfin voilà, c'est un peu rageant. Du coup, ce qui donne au classement du champion du monde des pilotes, Rosberg devant Hamilton pour l'instant avec 6 points d'écart. Après, on retrouve Raikkonen à la 3ème place. Ricciardo 4ème, Vettel 5ème, Verstappen 6ème. Donc, on a pas mal de mouvements sur le classement. Lewis qui est remonté, qui a pris une place sur Kimi. Ricciardo qui est descendu aussi. Vettel qui est remonté. C'est vrai que j'ai pas regardé nous où est-ce qu'on était, mais on doit être sur la fin, donc on est peut-être en lutte avec les pilotes Manor.
Donc toi t'es devant les deux pilotes Manor, moi je suis derrière pour l'instant. Donc voilà. Ce qui fait qu'au constructeur on est dernier. Ouais, ça c'est pas beau. C'est dommage, on aurait pu mettre des points ici, hein. C'est vraiment vraiment décevant. Ouais. Je promets pas qu'en Chine on en mette. Ça c'est. C'est une certitude. Ah, par contre pour le patinage il est beaucoup plus prononcé dans cet opus, j'ai l'impression. Oui, la notion de patinage est vraiment plus prononcée. Je sais que moi j'ai eu énormément de mal à m'y faire, hein, sur les premières heures de jeu, ça a été galère. Hein. Ouais, et sur PS4, est-ce qu'il y a un volant pas trop cher mais qui vaut le coup? Alors je sais pas s'il n'y a pas un volant PlayStation qui existe et qui est pas trop cher sans avoir à acheter le G920. Sur la PS4 je sais pas, je sais que sur la Xbox il y a Thrustmaster qui a sorti un volant Scuderia Ferrari, ouais, à 99€. Ouais, il y a peut-être l'équivalent sur PS4, faut regarder, voilà. sur Amazon ou des trucs comme ça. Faut regarder volant PS4 et puis après, voilà. Le seul problème de ce que j'ai lu, c'est que la PS4 ne dispose pas pour l'instant d'un véritable jeu comme la Xbox possède Forza. Donc c'est vrai que les constructeurs ne se sont pas encore réellement penchés, parce que sur la Xbox c'est vrai qu'on a le G29, on a Mad Catz aussi qui fait un volant absolument phénoménal. Ouais. Et puis on a Fanatec qui travaille sur la Xbox, et puis on a aussi Thrustmaster avec ce volant entrée de gamme. Mais c'est vrai qu'en attendant Gran Turismo, peut-être sur la PS4 pour que il y ait un peu des volants. Sachant qu'en plus la communauté PlayStation 4 ne jure que par Gran Turismo, et puis leur licence qui va sortir avec qui ont signé avec la FIA, hein, donc toutes les grands noms du sport auto qui vont être dans ce jeu, et ça va. Exactement. Donc ça va peut-être un peu propulser les constructeurs de volants à en faire sur la PS4, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est beaucoup la Xbox One. Il y a Cyril qui dit il y a aussi le nouvel Assetto qui est sorti et qui est pas mal du tout. C'est l'Assetto sur PS4 aussi. Et sur PS4 et Xbox One, ouais. D'ailleurs, Fanatec a sorti une édition spéciale vraiment pas chère, hein, c'est 600€, avec le boîtier CS Elite où on peut monter et démonter le volant. Ah, c'est cool ça. Et puis c'est la qualité de fou, hein, avec l'écran en haut du volant comme Ferrari, c'est impressionnant. C'est classe. Bah, y a Franck Onen qui a un montage qui est plutôt pas mal, avec un écran aussi pas mal sur son volant. Je vais répondre vite fait aux questions. Seb Le Cocher qui demande, vous pensez qu'elle sera comment la version Android et iOS de F1 2016? Ben, c'est difficile de se prononcer pour l'instant. Ouais, un truc comme Real Racing. Ouais, je pense, ouais. Un truc comme ça. Au niveau graphique, ça va être pas mal, hein. Ah oui, c'est possible, maintenant les téléphones portables sont très puissants et pourront supporter des graphismes un peu poussés, donc à mon avis ça peut être sympa. Ouais. Exactement. Florian, tu fais quoi comme autre jeu, Angel? Ben, pour l'instant je fais essentiellement de la F1. Je dois avouer que depuis la sortie de F1 2016, on a eu énormément de nouveaux abonnés sur la chaîne, et puis bon, l'appui et puis la collaboration avec Depielo Gaming a aussi pas mal propulsé la chaîne. On a pris plus de 200 abonnés en une semaine, donc c'est vraiment génial. J'espère que le vent va continuer à tourner dans ce sens là. On voit que pendant les lives aussi il y a toujours un bon public, et puis sur les vues des vidéos maintenant, c'est vrai qu'on était péniblement aux 200-300 vues à chaque fois sur les vidéos, même sur tes séances sur tes séries de ta carrière avec Vettel sur F1 2015. Ouais. Et là, on arrive à faire 200 ou 300, mais en moins de 24 heures. Donc, c'est vrai que là, la chaîne est bien repartie. Et donc, c'est vrai que pour répondre à tes questions, c'est essentiellement du F1 sur la chaîne. Je vais faire, mais ce que je mettrai en rediff et je ferai en live sur une autre chaîne, parce que je vais monter une autre chaîne en parallèle pour d'autres types de jeux, parce que là, comme celle-là est vraiment orientée sim racing, j'ai pas envie de polluer. Mais ça sera la sortie de Dragon Ball Xenoverse 2 au mois d'octobre, donc là il y aura quelques lives et puis quelques vidéos, et puis voilà. Sinon après, ben, je fais d'autres jeux mais pas en vidéo. Mais après voilà, je sais pas si ça a répondu à tes questions. En tout cas, nous, on va mettre un terme à ce live ce soir. Bah, merci en tout cas à toutes les personnes qui sont là, qui sont venues, qui ont passé la soirée avec nous. Et c'était un Grand Prix qu'on espérait avoir une meilleure issue et qui a finalement mal fini. Mais c'est clair. En tout cas, c'était encore bien sympa cette petite coop, on s'est bien marré.
Si, Florian, j'avais une autre chaîne, mais qui était aussi Sim Racing, mais que j'ai dû fermer. Enfin, je l'ai laissé vaquer parce que je m'étais fait bloquer la chaîne par pour les copyrights, et du coup, je pouvais plus mettre de vidéos de plus de 15 minutes, donc c'était pas jouable. Voilà. Merci Paddock qui nous dit GG pour ta chaîne, Angel et Cédric, vous le méritez, les gars. Merci à toi. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour avoir passé la soirée en notre compagnie. Eh bien, je vous dis, moi, dans la semaine, vous allez avoir la course du Grand Prix de Shanghai. Et puis, je vais faire un petit live dimanche soir. On fera une course où donc vous choisirez la course, la durée, etc., etc. Enfin, je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la page Facebook et au Twitter et vous serez au courant. Pour la suite des événements. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao. Allez, salut à tous.